Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Far Cry 3 Blood Dragon. Donc en fait j'ai voulu commencer la vidéo sur le sommet. Oh le fils. Je vois plus. Chacal quoi. J'ai voulu commencer la vidéo en haut d'une tour pour vous montrer un deltaplane, mais ben je l'ai pas trouvé. Quoi, ou du moins je suis en train de la chercher, je me suis fait spotter par les deux. Reste tranquille petit cargo. Reste tranquille, je te veux pas de mal. Si en fait ouais je te défonce. Donc alors attendez, parce que je pense que c'est par là, j'ai mis un petit repère manuel par là-bas. Donc j'espère que vous allez bien. Ça c'est bon mon gars. Je tiens ouais, je pense que c'est là-bas. Attendez, on va y aller. Je tiens à m'excuser au préalable, quoi, à l'avance pour toutes les vidéos, pour la luminosité. En fait, j'essaie de la mettre au maximum, mais le jeu se veut sombre, donc c'est pas évident en fait de. Il y a des petits endroits où vous verrez pas tellement, quoi. Il y a des petits trucs que je pense que il y a pas mal de petits endroits où vous verrez, mais il y a des petits bouts, quoi. Là, je vous ai dit, regardez, le jeu se passe tout le temps dans la nuit. Donc j'essaie de faire mon maximum. J'espère que la luminosité sera bien. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir au cas où. Je ramasse des trucs pour débloquer des trucs et ça me fait gagner des trucs. Ok. Lol. Donc franchement, toujours un kiff monumental de jouer sur ce jeu. Et puis, ben, c'était pas là. C'était pas là. Je l'avais trouvé pourtant tout à l'heure, hein. J'étais content. Du coup, je dis, ah, je vais commencer la vidéo direct avec ça, avec le Delta Plan et tout ça. Et en fait, non. Non, ok. Bon, je vais aller là où j'ai mis le point parce que il me semblait que c'était vers là-bas. Qu'est-ce qu'il veut? Laisse-moi tranquille. Il me semblait que c'était vers là-bas. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ramasse des trucs pour débloquer des trucs et ça me fait gagner des trucs. Ok. Lol. On y va, Rex. Alors. Allez, putain. Oh. On va aller direct à la chacal. Et laissez tranquille. Allez, sors ta tête. Ah, enculé. Allez, meurs. Allez, laisse-moi, t'es dépouillé. Laisse-moi prendre ton cœur, baby. Attendez, parce que j'ai mes collègues, je crois qu'ils se font allumer. Ok. Bon, trop tard, il m'a vu. Peut-être que lui, non. Si, il m'a vu. Bon allez, tiens, cadeau. Voilà mon gars. Qu'est-ce qu'il faut bien. Donc écoutez, je vais essayer de continuer un petit peu sur l'histoire parce que si je commence à m'amuser comme je le fais H24 sur ce jeu, j'en ai pas encore terminé. Donc soi-disant, ça se passait par là, mais le Delta Plan n'est pas ici. Je pense qu'on le trouvera prochainement dans une quête ou... Tu le tiens, heureusement que j'étais là, ouais, tu as failli te faire défoncer. Donc... Sortons la carte. L'endroit est ici. Donc à plus de 900 mètres, on y va. Du coup, comme est-ce que j'ai détruit leur véhicule, je ne pourrais pas le prendre. Je t'avais entendu, toi. Oula. Oh fuck. Je vais foutre le feu. Foutons le feu, vas-y. Je l'ai pas eu. Oh merde. Ah, t'es sérieux mon rêve. Voilà. Laisse-moi tranquille. Tu me fais jouer au sniper toi. Ah mais tu mets pas au milieu. Oh la doublette. Oh lol. C'est la première fois que je fais ça par contre. En pleine tête. Ok, j'ai même pas fait exprès.
Est-ce qu'il y a des petits trucs à prendre? Ouais, c'est bon ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, 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 hop. Je voyais un dragon là-bas. J'ai pas envie de me faire griller. Ouais, j'ai pas envie de revivre ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mec qui est traumatisé. Je vais pas revivre cette expérience. Alors, le bon vieux glissage, parce qu'on pouvait pas monter sur la falaise, en même temps c'est compréhensible. La pente elle est à plus de 90 degrés presque. Donc ici il se passe quoi? Il y a rien. Et il y a des cochons. Sanglier quoi. Et la paire de sangliers. En fait j'espère en tuant plusieurs sangliers que ça m'apportera quelque chose. Je me rappelle plus si en regardant. Oula. Bon, il se passe quoi? Il se balade par 3, hein. Il se balade souvent par 3. Ça va être un petit peu... Même par 4. Ah non, non, c'est un Garago. Cassoir. Garago, j'ai mélangé Borderlands, quoi. Oh my god. Comment est-ce qu'il va m'attaquer? Tu veux m'attaquer ou bien? Non? Ah ben laisse-moi tranquille. Bon, les deux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur saute dessus la gueule? Je pense que je vais faire un petit truc. Je vais faire l'enchaînement au couteau. Ça va être pas mal. Attention, triplette ou bien? Non, je pouvais pas aller, t'es trop loin. Je lui donne 3 étoiles. Lol. C'est un chacal, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Un petit complexe? Oh, qu'est-ce que c'est? Affichage du nouvel objectif. Éliminer tous les ennemis avant de continuer. Tout de suite. Fuck! Je suis tombé où là? J'en ai vu un sur la gauche, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que c'est ici? C'est une garnison? Ouais, je pense que c'est une garnison. Ah fuck! J'ai attaqué une garnison, ça fait... Non! Je me suis fait spotter? Non. Le mec se jette une grenade dessus, mais y'a personne qui le capte, quoi. Hey, il vient de parler de joint. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais bien fumer le joint. Oh là là, oh là là, oh là. C'est bon, on rigole plus. Il est où? C'est vrai qu'elle est moins puissante qu'au tout début. Regardez toutes les balles que je lui mets, quoi. Vous avez vu ça? C'est hallucinant. Bon, là, ça va être l'Ariat, je vous le dis. Bon, là, c'est le bordel. Et hop, headshot. Est-ce qu'il est mort? Yes, mon gars, je te fais mal. J'aimerais trop sauter sur le véhicule pendant qu'il conduit et essayer de niquer le mec. Oh, qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais je t'ai pas appelé, mon cousin, qu'est-ce que je fous? Oh là là, il va tout défoncer. Oh putain, je le retrouve dans la merde entre le dragon et l'autre. Vite, 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 vite. Répare-toi la main, répare-toi la main, répare-toi la main. Ouais, j'ai fait bordel. J'ai plus trop de munitions. Hop, je l'ai vu là-bas. Je peux pas remonter, c'est trop petit là. Il est où? Mais c'est quoi ce complexe de malade, quoi? Je sais même pas par où on sort, je comprends rien là. C'est quoi ce délire? Là, on est où là? Il veut que je fasse le taf, mais... D'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait des issues pour monter plus haut et tout. Quel gag. Moi c'est pas grave, mais bon.
Donc comment je fais là pour le faire fuir ce fucking dragon là, vu qu'il n'y a pas d'issue? Je suis obligé de le défoncer. C'est pas le problème, hein, moi je... Le truc c'est que ça va prendre un petit peu de temps quoi. Encore un cœur brisé. Vous voyez ce que je veux dire ou bien? Salut. Non. Oh putain, le chacal quoi, c'est lui qui m'a défoncé. Alors je sais pas où c'est qu'ils vont me refaire spawn, je sais pas du tout ce que c'était. Destruction. Ah, mais ils m'ont fait pop dessus truc. Lol. Ah, c'était là-dedans que j'étais, je suis tombé. Mais est-ce que c'est une garnison ce truc là? Et je pense que oui. Hein. Ah oui, c'était une garnison. Donc non, vas-y, je la fais pas. Tant pis. J'ai visé des balles et tous les trucs, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le zozo. On est reparti en mode delta plane. Je sais même pas par où il faut aller. Si, je crois que c'est à gauche. Nouvel entraînement disponible, on s'en fout. On connaît le delta plane. Oh. Ah non, ça va. On connaît, gros, le delta plane. Juste, je vais regarder la map. Je me dirige vers le bon endroit. Ouais, c'est bon. Donc, c'était bien une garnison. Eh, je la ferai tranquille parce que j'ai pas envie de m'attaquer. Au lourd en plus que je pense. Ah merde, il y avait un petit truc tranquille là. Ah, ça fait du bien, le petit delta plane là. Ça faisait longtemps. Ça faisait grave longtemps. Oh là là, je vais me prendre un mur. Un arbre, un mur. Donc, il y a. Ça dit quoi par là? On va passer par la colline. Je sais pas du tout c'est quoi le complexe et tous les trucs. Alors ouais, il y a un petit bassin, ok. Ok, l'objectif nous dit d'aller par là. Ça me rappelle un petit peu la falaise à la James Bond. Tac, je suis au barrage. On va se poser par là. Putain, c'est grand. Voilà. Quoi? Oh merde, putain, j'ai quitté la zone. Oh merde. Quel con. Ah ça c'est bête, ça, il y a une zone prédéfinie. Ah, fait chier. Rejoignez le barrage. Ben excusez-moi pour ce petit fail, vous savez que je suis le roi des fails. Eh ben, aujourd'hui encore ça rate pas. Je pensais pas du tout que en quittant la zone ça allait fail carrément la mission. Oh, c'est pas grave. On refait un petit tour de delta plane, tranquillou. Pépère, dommage qu'il n'y a pas trop de son là. Sur le premier, je me rappelle, il y avait une petite ambiance et tout ça quand on faisait du delta plane. Là, pas tant que ça. Oulala, je vais me prendre l'arbre. Non, ça va. Il y en avait un deuxième aussi sur la gauche là. Je viens de le voir sur la map. Je parle de delta plane, bien sûr. Alors, je sais pas si je vais réussir cette fois-ci. Parce qu'en fait, je vous mens pas, je flippe un peu de tomber dans l'eau. Je me dis, est-ce qu'il va y avoir des crocodiles ou des requins, des trucs du genre? Ça me fait un peu flipper. Quoique. Wow, ça a l'air puissant ce truc là, je sais pas ce que c'est. Doc, je suis au barrage. Putain, c'est grand. Chaque installation a ses propres générateurs, mais sans le barrage, Sloan ne pourra pas maintenir ses opérations à plein régime. Alors on va faire sauter tout ça. Ok, je vous envoie les coordonnées d'un stock de C4000 suffisant pour fissurer le barrage. Vider le réservoir compromettra le système de refroidissement du réacteur. Objectif, récupérer le C4000. C4000. Ah, c'est le C4. C'est ça qu'on avait vu hier, le C4000. Alors. Je vous ai dit, ça me rappelle le pont de James Bond, quoi, le truc. On dirait que c'est ça. Où le mec, il doit sauter. GoldenEye, je crois que c'est GoldenEye, ouais. Si je dis pas de bêtises. Waza! Oh! Ah, pas trop bobo! Il fait des bons à chaque fois, le mec, c'est un truc de fou! Et ouais, la chute elle fait mal! Waouh! Complexe de dingue! Doc, je suis prêt à tout faire péter! Comme au Québec,
Quand vous nous avez sauvés, mon équipe et moi, après avoir endommagé les réacteurs nucléaires de la centrale hydraulique. Jeff, je me rappelle pas grand-chose de ma vie d'avant. Je me vois jouer enfant, je vois mes parents, la deuxième guerre du Vietnam. Pardon. Bonne chance, Rex. On compte sur vous pour nous sauver à nouveau. Scanner terminé. Objectif, aller au barrage et placer les explosifs C-4000 sur les failles structurelles. Ok, mon rêve. Par contre, je comprends pas une chose. Comment ça se fait qu'il arrive pas à repérer les deux autres là-bas ? Cybernétique détectée. Les robots chiens peuvent vous sentir, même en mode furtif. Ok. Utilisez les dés pour éloigner les robots chiens de votre position. Oh, il y en a un là aussi. Il y en a un là-bas. Je sais pas s'il est devant la fenêtre ou pas. Est-ce que vous croyez que j'arrive à le spotter de là ? Off. Ah merde, hein. Fuck you. Hein. Bon, on va la jouer la Terminator, mon gars. Il est mort ou pas? Putain, le truc c'est que ça découpe pas les têtes, je comprends pas. Ah si si si, c'est moi que je vise comme une merde. Allez, sniper. Wow, il m'a mis une balle, il a failli me dessouder. Viens là, mon gars, viens. Pourquoi tu sors pas ta mimi? Mais qui c'est qui me tire des balles, là? Ah, c'est le sniper là-bas. Oh, il me fait super mal, cet enfoiré. Mais arrête, espèce de mytho, arrête. Le mec, il me voit même pas, il était même pas en train de viser, il est là, il fait le truc. Ouais, tu me tiens. Tiens, mon cul, ouais. Oh, les armes, elles sont complètement useless au début, c'est... Oulala, oulala, je vais me faire gangbang. Oh, je suis mort, les oiseaux, je suis mort. Allez, casse-toi. Bandage, vite. J'ai dû me sauver tant que comme je peux, les oiseaux. Qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, j'ai fait la merde, j'ai vraiment avancé comme un con. Je me suis manqué. Et là, du coup, je suis en train de payer les conséquences de mes actes. C'est-à-dire, je subis. Voilà. J'ai arrêté de faire le mec, genre jouer headshot. S'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Là, je suis en train de jouer comme une merde. J'ai plus de protection. On va se réparer la main, pépère. Je vais récupérer aussi un petit peu d'argent. C'est pas de refus. Je vais éliminer d'abord les deux snipers parce qu'ils me cassent la tête. Il est là-bas, hop. Regardez-le comme il a l'affût. Manqué. Voilà, là en pleine tête, je t'ai eu, enfoiré. Maintenant on va pouvoir se faire plaisir. Allez hop. Ouais d'accord, je t'ai pas eu. Oui, je préfère, mec. Il est où l'autre? Prends-toi, t'as aucune chance, il a dit. Ok. J'ai la flèche. Donc excusez-moi pour ce petit fail, hein. On a tous des moments de faiblesse. Non, c'est surtout que je sais pas, j'ai mal attaqué la zone. Si j'aurais été offline, je pense que j'aurais recommencé la zone. Parce que j'aime pas vraiment bider comme ça. Là je suis en vidéo, donc je vais pas faire tous les corps non plus. C'est bon, les cœurs on en a 40. J'adore ces conneries. On se taille. Je perds juste mes flèches, bordel de merde. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien. Du coup, j'ai tout défoncé, quoi. Ici, y'a rien non plus. Celle-là, c'est pour toi, Spider. Objectif presque terminé. Ok. Occupez-vous de l'autre faille structurelle. Ok. Des escaliers.
Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Faille structurelle alors. Tu vas te fendre la gueule. Objectif presque terminé. Occupez-vous de l'autre faille structurelle. Ok. On va s'occuper de la faille structurelle. Donc tu veux que je monte, chacal? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Y'a rien. Qu'est-ce que c'est que ce complexe tout chelou? Unité lance-flammes lourdes détectées. Où ça? Ainsi que leur réservoir de carburant très exposé. Non, non, pas ça. T'es où? Cadeau. Je m'en lasserai jamais. Allez hop. Maintenant on se rend plus la tête, les oiseaux. T'es DJK Saex qui viennent se connecter. Eh, j'ai récupéré quoi là? Vite, vite, il arrive. Bonne nuit, petit prince. Je suis prince, c'est genre. Je me languis d'avoir la vie. T'es ouvert d'esprit. Oh lol. D'avoir un autre viseur avec le sniper, j'allais dire, avec l'arc. Parce que vous savez que je joue 3 quarts du temps avec l'arc, j'essaie de... Excuse-moi, je prends juste ça. J'essaie le 3 quarts du temps de changer, mais je suis vraiment un surkiff sur l'arc. Qu'est-ce que c'est, je crois... J'ai cru voir un requin, je crois. Peut-être j'ai halluciné, mais... Je sais pas, il y a des requins. Hein. S'il vous plaît. J'aime pas les requins. Je dis que j'arrête de prendre ça et je continue à les prendre quoi. Alors je regarde juste, vous savez que je suis une fouine. Donc j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a. Non, il y a rien, on est parti de suite. Hop là. De toute façon, le but du jeu et le but de toutes ces vidéos, c'est de finir niveau 30. Hein. Donc ok. Franchement, le petit coup. Je l'ai bien baisé. Le petit à coup que je mets à chaque fois, il me fait putain de flancher. D'accord, j'aurais pu passer par le dessus aussi. Ça aurait été mieux, je pense. Ouais, mais sinon, il aurait fallu que je mette toutes les bombes le C4000 par en dessous, donc ça aurait été la même chose. C'est un réflexe, hein. Je vous dis concrètement qu'à chaque fois je fouille les cadavres. Objectif terminé. Explosif C4000 placé. Priez de vous rendre à la zone de sécurité avant de déclencher l'explosion. C'est l'heure de casser la baraque. C'est parti. J'espère que ce nouveau C4000 est aussi efficace que ce bon vieux C400. Fais péter mon oreille. Eh ben, on dirait que non. Doc, il y a un lézard avec les explosifs. Non mais il est sérieux là? C'était quoi cette explosion toute pétée? Un des ingénieurs qui travaille sur le barrage. Il y avait des civils là-dedans. Mais... Je connais exactement le cas pour ce barrage. Je vais... Objectif, retrouver l'ingénieur à l'intérieur du barrage. Demain, soir les chimies à la cafétéria. Double ration de cyber lubrifiant Kobayashi pour tout le monde. Cyber lubrifiant Kobayashi, le lubrifiant de votre futur. Il est sérieux, le lubrifiant de votre futur. Hop, je vois qu'il y a une shop là-haut, non? Qu'est-ce que c'est? Oh fuck! Hein? Comment il a réussi à me tuer alors qu'il était mort, lui, il me touchait? Ouvre ça dans le cul! Oh non, non! Ouvre ça dans le cul, mon gars! T'es sérieux? Mais... On peut pas le tirer dans sa réserve de gaz, là? Le cadavre, il descend et tout, c'est trop beau! Bordel de merde, t'es où?
Tiens, cadeau. J'ai pas le temps de te dire mon nom. J'ai seulement le temps de te tuer. Qui est malade mental ce chip. Encore un cœur brisé. Rex Power Cult. Un besoin pressant de tuer des milliers d'ennemis en moins de deux. Rien de plus simple. Déchaîner le terrain. Hop, 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 hop. 4000 sur ces enfoirés de communistes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je la prendre. Où je veux. Oh. Munition, remplir. T'es sérieux, j'ai ça comme arme. Ils sont sérieux là, ils me la passent pour de bon, c'est à moi, c'est cadeau. Rappel, lancez un cybercœur sur les ennemis pour que les dragons proches les attaquent. Oh. Envoyez un médecin, que je puisse le buter aussi. Ce petit doigt est allé à la morgue. Ah c'est trop mec, c'est trop, y'a tout qui pète. Mon dieu, c'est un carnage. Hélicoptère. Attends, je vais recharger. Je vais recharger, gros. C'est trop bon. Ah, oh la puissance, mon gars. Tu sais quoi, j'ai l'impression d'être. D'être Jorzy dans Terminator, mon gars, avec sa grosse sulfateuse de fou là. C'est quoi cette Gatling Gun de malade, mon gars. Je cherche sur les murs, je m'en bats la race. Il est où? T'as quoi? Vous savez quoi, les amis? Vous avez faim? Tiens, mange. C'est abusé, mec. C'est abusé. Mais tu sais quoi, je vois même pas où je tire là. Je vous dis la vérité, les oiseaux, je tire tellement. C'est... Ah, ça fait du bien. Est allé à la mort. C'est un truc de malade quoi. Et vous croyez que je peux me faire un tyrannosaure là, un blue dragon? On va quand même descendre. Putain, si c'est cadeau ça, franchement je veux bien moi. Je peux l'emporter à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Objectif terminé. Vous êtes le sergent Rex Scott? D'après Dr. Darling, vous êtes une sorte de héros. Je suis pas un héros. Je suis un simple cybercommando type 4 de l'armée américaine. D'accord, d'accord. Vous allez devoir m'escorter jusqu'au réacteur pour que je le coupe. Je ne suis pas un cybersoldat. Bien. Ensuite, extinction des feux pour Sloan. Oh putain. Objectif. Protéger l'ingénieur. Toi, des balles. Oui, je veux des balles. Des balles. Le mec, il devient dingue. Oh, mais la vérité, je deviens fou, là. Ils m'ont passé une arme, les gars. Oh. Alors, faut faire quoi, ici? Faut protéger le monsieur, là. Ok. Ça serait bien d'avoir plus que deux seringues, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, réfléchis mon gars. Consommable, déjà je vais acheter ça. Je vais acheter un bouclier. Je sais pas combien je peux en acheter des. D'accord, je peux en avoir que 3. J'ai pris un bouclier au cas où. Ah, il se passe quoi? S'il se cache, c'est qu'il ça pue. Ok. On regarde s'il n'y a pas d'autres alternatives. Et s'il y en a d'autres. Parle dessus, je préfère perso hein. Après je sais pas vous comment vous jouez, moi je préfère arriver par le haut si c'est bien. Oui, c'est faisable.
qu'il m'a repéré. Il m'a repéré. Ah fuck. Ah merde. Eh fuck, il va te faire foutre. Laissez-moi vivre. Me brûle pas. Oh putain de merde. Oh, qu'est-ce que c'est tout ça? Cassez-vous. Ils veulent jouer. On va jouer. C'est fini en fait le délire Far Cry 3, les arcs et tout les gars. Là c'est Blue Dragon, là, c'est fini, c'est genre démolition absolue mon gars. On se cache même plus. On tue. Il est où lui? Fuck mon gars, je vous fais des fuck, je vous fais des fuck, bande de chacal. Vous ne mourrez pas. Du moins vous ne mourrez pas vivant. Ça y est, je commence à dérailler. Il est quelle heure? Il est 1h15 du matin. Allez tiens, dans l'épaule mon gars. Coucou. T'as tué beaucoup de mes soldats, Rex. Continue. Vous ne protégez plus les hommes qui sont sous votre commandement, Sloan. Les plus forts peuvent se protéger. J'ai appris durant la guerre. Vous n'avez pas assez de couilles pour gagner. On a transformé le Canada en désert toxique. On n'est pas allé assez loin. Mais où en fiston? Je t'annonce qu'il va y avoir du changement, c'est moi qui te le dis. Oh putain, je crois qu'il va m'envoyer une deuxième vague. J'ai l'impression qu'il rigole pas. Je reste ici en vous attendant. Il n'y a pas de problème, reste là-bas mon gars, tant que tu meurs pas. Nettoyage des biotoxines mutagènes au niveau moins 3. Nettoyage au niveau moins 3. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, il est où? D'accord, il a tracé. Ouais, je veux bien des grenades. D'accord, il me repère pas, c'est bon, ça se compte si je repartais à zéro. Moi je t'ai vu, est-ce que toi tu m'as vu? Faut pas qu'il me voie, faut pas qu'il me voie, il m'a pas vu. Y'a personne qui t'a entendu, chacal, meurs en silence. J'ai bien envie de leur... Ah, je crois qu'ils l'ont vu, non? D'accord, 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 d'accord. Alors, get a gun, power. Badaboom. Oh lol. Bordel, moré, bordel. Bordel de merde. T'as raison de t'inquiéter mon gars. Tiens, il est où? Il est où le chacal? Il doit être en hauteur. Tu es là. Te cache pas mon ami. Attendez parce que là je vois que... Ah tu veux brûler toi, tu veux jouer au feu. Il est où le cousin? Il est où? Hop, attaque du dessus! C'est bon! J'arrive! Voyez-vous ça! Toujours bien vivant! Vous savez quoi, Sloan? Notre méga force est une oméga farce. Nous verrons bien, oh, Rex! Qui est le cyberclone ou le cyberdieu? Rien qui se taquine et tout, c'est abusé quoi, franchement. Je jizz! Voilà les gars, je jizz jamais partout! Dis-moi, Rex! Depuis qu'on t'a rafistolé avec mon programme de combat, la petite voix dans ta tête, c'est plutôt la tienne ou bien la mienne? Où est-ce que vous voulez en venir, Sloan? Eh bien, il y a peut-être plus de moi en toi que ce qu'il reste de ta personne. Ou peut-être as-tu peur que je ne t'ai pas donné une raison de tuer, mais seulement une excuse. Ça a marché! C'est le pont qui mène au noyau explosé! C'est bizarre ce qu'il m'a dit là d'un coup, Sloan, là. Allez, arriver au lac de refroidissement. Allez, t'inquiète, stresse pas, on va y aller pépère. Par contre je vais changer mes armes, le sniper terreur 4000. T'es fou quoi mon gars. Je vais reprendre le shotgun. Il est où? Il est là. Et je vais le mettre à la place de... Lâchez les cyber-requins. Oh non, pas ça.
Je vais forcer les mécanismes de contrôle et provoquer la surcharge du bébé. Et extinction des feux pour Sloane. Vous l'avez déjà faite, celle-là. Extinction. À jamais. À jamais. Ok, on y est presque, sergent. Elle écrit une bizarre. Distorsion électromagnétique constante. Oh merde. Elle écrit une chelou. Trop bizarre. Alors qu'est-ce que tu fais là? Ils m'ont bloqué! Vous devez forcer l'ouverture du bouclier avec la commande d'urgence subaquatique. N'oubliez pas, il y a des cyber-requins en bas. Oh non! Scanner, désengagez les boutons poussoir subaquatique pour être beau. Si beau et drôle. Et ouvrez la sécurité. Pff, non, j'ai peur. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller voir les requins. Cours vite, cours, Wolf. Bouton poussoir désengagé. Ils sont... Trouvez le suivant pour un baiser. Vite. Poussez dans l'amour du ciel. Il y en a qui me course. Vite, caval. Attends, je vais reprendre la... Je sais pas si vous reprendre de l'air. Bon, c'est bon. Allez, mon rayon, descend. Objectif terminé. Rejoignez l'ingénieur et prenez sa main et flirtez. Et flirtez, t'es sérieux? Attendez, parce que... Mais ça va, il m'attaque pas, en fait. Je peux même nager à côté d'eux comme ça, normal. Lol. J'aimerais bien tuer un pour mon espèce personnelle, mon truc personnel, là, de chasse. On peut pas sortir une arme? Vous croyez que ça me tue direct si je vais comme ça? On dirait il est bugué, mon gars. Buggy. Ah, mais ils sont buggés les requins en fait. Lol. Attendez, je vais voir s'il n'y en a pas un autre. Tu vas manger ou bien? Non, en fait, tu me manges pas. Ah, mais je peux nager avec eux et tout, tu vois. Genre, les dents de la mer, c'est de la merde quoi. Tu vois ce que je te dis, moi? Bon, vas-y. Ils sont buggés. Tranquille en fait. Vous avez réussi. Il ne me reste plus qu'à pirater le système et exploser le noyau du réacteur. Attention. Explose. Parking interdit dans la zone marron. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? J'ouvre les boucliers du réacteur. Ne laissez pas me tuer, ok? Qui te tue? Y'a personne qui tue, mon gars, je suis là, y'a tonton para. Oh putain! Vas-y, passe toi, passe, t'as raison. La guerre, vous allez la voir. La voix de tapette qu'il a fait. Ah putain. Amenez-vous et affrontez-moi, sale tadrouille. Ah putain, il m'a fait délirer le. Encore un cœur brisé. Eh hey, mais c'est abusé cette arme. J'irai me coucher, tout le monde sera mort. Ouais, mais c'est ça en plus, hein, je vous dis la vérité, moi c'est la même. Putain Rex, il commence à déteindre sur moi le perso là, c'est abusé. Oh, il y en avait deux, je les ai même pas sentis quoi. Ah, histoire de faire un petit peu bordel, une petite grenade. C'est un truc de mal. Oh, j'ai plus de munitions. Faut que j'arrête de faire bordel avec ça là. Quel con. J'ai fait tellement de TB que j'ai plus de munitions. Faut que j'arrive à l'atteindre comme ça. Attendez, je vais faire un truc. Je vais attendre qu'il passe là. LOL. Ah putain, trop bon. Qu'est-ce qui se passe? Allez. C'est l'heure de mourir. Attendez, il y a l'autre avec son bateau, il fait quoi là? Il est pas mort en vrai. Attends. Oh genre LOL.
Ah, je peux pas monter sur le bâton. Ah, ça fait chier ça. Allez, petit arc pour te finir. Même pas. Ah, j'ai explosé. Hein? Frappez le réacteur nucléaire. Mais il est sérieux lui ce qu'il raconte? Frappez le réacteur nucléaire? Benji, non! Non! Doc, je m'en suis sorti. Mais pas Benji. Désolé, Rex. C'était un type bien. Non, Doc. C'était un vrai héros américain. Oh oui, disponible au magasin La Terreur 4000. Oh oui. Oh oui. Pensez à vous laver les mains en sortant des toilettes. Lorsqu'un collègue vous serre la main, c'est comme s'il touchait toutes les personnes que vous avez connues, y compris votre mère. Quoi? Vous ne voudriez pas que vos collègues touchent votre mère, n'est-ce pas? Lavez-vous les mains. Rex, tout va bien après cet afflux électromagnétique? Dame sur des roulettes, Doc. Aucun des fils peut me résister. Oh. Pas sûr, Rex. Je suis quasiment imbattable à The Bishop of Battle. Doc, jouez aux jeux vidéo? Oui, Rex. Les jeux vidéo sont un bon moyen de s'occuper, comme n'importe quel autre passe-temps. Il a été prouvé qu'ils favorisaient la coordination œil-main, la résolution des problèmes, l'interaction sociale et la confiance en soi. Et aucune étude n'a pu établir le lien entre jeux vidéo et violence. Honnêtement, tous ceux qui sont contre les jeux vidéo sont des enfoirés. Hey, wow, wow, Doc. Non, Rex. Enfoiré signifie un être néfaste pour notre foi en les relations sociales. C'est un acronyme. Même si j'imagine qu'on n'est plus dans un jeu vidéo, pas vrai? Pouah, ce qu'elle vient de dire, oh c'est stylé. Vous avez vu, franchement il rigole pas. Mais Ubisoft il rigole plus, franchement. Ces derniers temps c'est vrai que là, en termes de surprise, d'innovation et tout, là c'est trop. Ah, c'est trop. Entre Assassin's Creed là qui a été annoncé un petit peu, je vous mens pas moi les Assassin's Creed. Je les avais un petit peu lâchés parce que voilà, franchement, c'est toujours la même et tout ça. Donc là, franchement, on arrive à contrôler carrément un nouveau personnage, une nouvelle histoire et tout. Franchement, Connor, il y avait Connor aussi. Vous allez me dire, ouais, mais le 3 il est pas mal. Ouais, j'ai fait un petit peu, j'ai joué 4 heures, ça m'a saoulé parce que c'est toujours pareil et tout ça. Donc là, je sais pas ce que ça va donner entre ça, entre ce standalone, Blue Dragon, entre tout ce qui va sortir, entre The Watchdog, entre aussi un hack and slash qui va sortir très prochainement en free to play. Je vous en dis pas plus parce que je pense que je vais le souder. Oh, le bug! Le bug! Je passe à travers la porte. Vous avez vu ou quoi? Mais je suis passé. Oh le délire quoi, je passais derrière la porte. Bref, entre tous ces gros jeux quoi, c'est surprise tout. Ma foi, est-ce que je peux prendre la carte? Oui, heureusement. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Télé, je la veux. Comment je fais pour bouger? Bon, on va récupérer la télé. Ouais. Et ensuite, on va se quitter ici parce que ça fait quand même 45 minutes de vidéo. Je vous disais franchement, Ubisoft en ce moment, ils sont... Voilà, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue ce qu'ils font, ce qu'ils produisent et tout, c'est franchement c'est énorme. Donc vous avez compris que la Terreur 4000, elle est déjà équipée. Bon, tout va bien. Ça aussi, le gun c'est bon. Et ça c'est bon. Donc tout va bien, je suis bien. On y va. On va chercher notre télé. Il n'y a pas un véhicule par hasard? Ouais, on va faire un petit peu de balade. Un petit peu de balade. Hop. C'est parti mon gars. Donc franchement je suis vraiment content de tout ce qui sort de chez Ubisoft parce que c'est vrai que ces derniers temps, les seuls qui me faisaient vraiment vibrer en termes de jeu et tout, c'était 2K Games. Même si quand même Ubisoft ils ont été bien présents et tout. Non franchement je suis vraiment satisfait de ce qu'ils font, leur travail et tout, le développement du jeu. Après beaucoup diront que ouais. Il a tué la série ou je sais pas quoi. Bon, personnellement, je trouve que au contraire, ça donne un renouveau. Et j'ai eu pas mal de vidéos, pas mal de retours. Donc déjà, pour répondre à 2-3 questions, on ne peut pas dresser des dragons, comme une personne m'a demandé. Les clins d'œil sont vraiment énormes. Si vous kiffez tous les films bourrins des années 80, tous les clins d'œil qu'il y a dans ce jeu, ben, ce jeu est fait pour vous, les oiseaux. Ce jeu est fait pour vous, tout simplement. Il n'y a rien à dire. Tu vas te taire toi, tu vas arrêter de me courser comme un chacal. Il est où le troisième?
Est-ce que je le touche de là? Est-ce que je le touche de là? Bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus. Non. Non. Oh là là, non plus. Petit saut de la mort. Ça, je t'ai touché là. Espèce d'enfoiré. Je suis passé pour vous dire merde. Et vous voyez les petites répliques et tout ça, c'est... énorme. Énormissime. Donc je vais aller chercher ma télé. C'est le mec qui parle. Je vais aller chercher ma télé. Le petit complexe d'ailleurs que j'avais survolé. Qu'est-ce? Oui d'accord, ok. Ok. Le petit complexe que j'avais survolé tout à l'heure. Pas mal, j'aimerais trop qu'il y ait des grottes et tout à découvrir comme dans l'ancien. Mais quand même c'est assez limité, hein. C'est un standalone, faut pas non plus trop rêver. Putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'il me fasse un jeu comme ça, mais un réel jeu quoi. Vous voyez ce que je veux dire avec un temps de vie tel que Far Cry 3. Merde, j'espère qu'ils vont pas me faire ramasser des drapeaux. Donc écoutez les oiseaux, on va s'arrêter ici pour ce troisième épisode. J'ai l'impression que je suis suivi. J'ai pas tué ça. Du moins je crois pas, non. Je vais en tuer deux ou trois au cas où. Dans le cul Lulu. Vraiment des espèces bizarres ici, hein. Ouais, t'essaies de me charger. J'ai entendu un truc trop chelou, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si vous l'entendez. Hop là, le dragon tout en bas. Et je vois que le trois quarts des gens sont vraiment kiff sur le jeu. Et franchement, je suis ravi parce que ce jeu, quand même, il est lourd. Faut dire ce qu'il est, il est lourd, il est très très lourd. Ouais, ce standalone, on ne peut pas appeler ça un jeu entier quand même. Mais bon, moi personnellement, c'est un truc de dingue. Bon, écoutez les oiseaux. Je vais arrêter de blablater comme d'habitude, je peux pas m'arrêter, franchement sur ce jeu je peux pas m'arrêter. 15€ les oiseaux, n'hésitez pas, franchement faites-vous plaisir. Moi je vous dis à très très bientôt, c'était Parano pour Blood Dragon. Allez, à plus, peace.